Jodi a se vendredi, sete juye, mwen salyo zobim e mkwanta pou mwansama avekou pou nou mwete fe avèk bel etude ke nou tap fè touto kout semen nan. A la ple, nou nan etude numèro 2, le gran plan divin kristosantrik. Se tem sa, mwen mwansama avekou nou tap devlopi touto kout de semen nan. Ben jodi a, nou ba le ansam, refleksyon avansè ki se porsyon e kapsevi nou kom konklusyon pou etude semen sa. Ben avan menm ke nou antre nan... Conclusion étude nous, à nous prier nous remercions bon papa pour une semaine côté e, jour après jour des bonnes ben opportunités pour nous approfondir connaissance connaissances nous dans parole merci pour toute instruction vous dévoilée pour nous aidez nous Dieu pour que nous capables bien assimiler parole sérieux et que parole ou capable pratique de la vie nous afin que nous capables venir de meilleurs chrétiens de meilleurs serviteurs de meilleurs servantes Faire pour nous au-delà des espérances nous dans le nou Jésus notre Seul Amen Mwen mwen sou zanbi pou ansanm defor ki ou men ou rive fejjou aprejou pou kapab kontinye etudye parol bon die a traver guide detude de lekol du Saba. E pabliye chafon fin etudye, plezi pam, se toujou ankoraje ou pataje etudye avek an tourajou pou fasilite plus moun rive etudye parol bon die. Sou pat kwa boni, ma mzou men tal fe sa koun ya, evi an kouyaj lout moun, rejwen nou, e ben nan menm aktivite sa. E se men nan, etude lan se nimi ou de, le gran plan divin, kristocentrik, verser memorize, Beni swa die, le per de notre seigneur, jesu kris, ki nou za beni de tout sort de benediksyon spirituel, de la lye seles, an kris, efesien promi, verset 3. Tek suy pou nou kebe nan tet nou, nan etude semen sa. Je di a, se vendredi 7 juye, refleksyon avansi, se si pou chan sa ki nou pral konsidere ansan. A rap li nou, tout ou koutu semen nan, et, etude lan, bon beke tout tekst nan bibla, tout liv ki nan bibla, yo santre sou Jezu, men nou e liv efizyen, se, se yon ouvraj ou be si yon letre ki tout afe spesyal parce ki li santre sou Jezu. Et tout ou koutu semen nan, nou e l'unite, se te... Se joun nan poin dominant ki nou wè nan etude sa. Yon etude ki ap montre nou bon Diyo ap fè tout bagay centré, tout bagay barzè sou Jésus-Christ. Nou pralye ansanm dan Efesien chapitou 1 verset 3, verset 3 a 14 plito. Nou pralye, eske liv sa ou ben chapitou sa ou ben verset sa ou ken pralye la, yon enseigne ki bon Diyo gen tan chwazi yon seri de moun avan men nesansyo pou yon sove epi yon goup go, pou yon kapap perdi. ok et un peu le monde c'est ça ou quoi malheureusement mais nous allons considérer l'étape qui vient en date de ça pour nous répondre avec question ça est-ce qu'il y a un groupe de monde qui est bon Dieu choisi même avant la naissance pour être capable de sauver et puis un groupe pour être capable de perdre nous allons considérer ensemble et faire un chapitre premier dans le verset 3 pour nous venir verset 14 pour que nous soyons répondre avec interrogation béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ a lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la loi de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé par lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. À lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons été avons espéré en Christ en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du saint esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire Nou pa lese reflechi ansan Pa bliye kesyon, eske bon die Chwa jan goup de moun pou kapap gen la vi eternel E et biyon lout moun ki pou pedi eternelman Eske se sa lide du tekst Oske li pale de la predestinasyon E ben nan passage ke nou sot li la Wol kris li determina Piske le chwa divin Pou kapap adopte nou Li produ par Jezoukris Ou bien nan Jezoukris Sa sugere ke leleksyon E la predeterminasyon de die Li egzese anvet tout moun ki chwazi la fwa an kris. Ok, se pa an chwa ki bon Diyo fe, pou souve yon goup, e eh bin pou an lè goup pedi, avan mè mnè sens yo se pa sa, lè l'pale de predeterminasyon. Se lè fe ke, bon Diyo te get an fe chwa sa, li konen posibilite pou nou pechia li egziste, men li fe yon plan, plan ki sa li tout moun ki pral dako manifesti fwa yo an Jezu kris, e eh bin moun sa yo, Il y gagner la vie éternelle. Mais ce n'est pas lui-même qui fait choix pour dire bon, tel groupe de monde a gagné la vie éternelle et puis tel groupe de monde a perdu. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. La décision de Dieu est la réponse divine étudiée, prédéterminée à ceux qui exercent leur foi en Christ. C'est-à-dire, Sa pral depande ou menm, se ou kap deside, men se pa bon dik deside ki es kap pedi, ki es kap sove. Daryo, Jezu mou pou ke tout moun kapap gen la vie tenet. Men, moun kap gen la vie tenet yo, se moun ki dako manifeste la fwa an Jezu. Le trefleksyon ke nou kapap fe anko apopo de teksa ou be le trefos ke nou kapote, se ke Efesien chapitou 1 verset 3 an 14. Li gen la dene egalman yon langaj relasyonel vif. sou travay salu ki bon diyo li mem li ofri nou. Bon diyo se papa nou e nou mem nou se petit li e be, li adopte nou. E be, se nou mem, anta ki petit li ki rechevoi, benediksyon nan yon mezur abondante. Non dou kompren langaj sou chwa e la predeterminasyon de diyo a la linyen de se langaj riche e relasyonel. Bon diyo pa yon jij lointen e insensib ki imède de kre adisans. Ou kontrè, nouè, li se yon pèr ki atensyonè e eh bè de tout se zanfan. Se dè diè, bon diè par kon, moun ni tolèri, e pi li kon kon, li, li pa tolèri. Se dè diè, bon diè se yon pèr atensyonè. Bon diè, vli devlopè relasyon se mè avèk touta, pe zit li. I soufi ke ou mèm ou akseptè e eh bè servilè. Toazèm refleksyon ke nou ka pa fè an popo de mèm kèsyon sa, le fè ke Diyo li mèm li onore chwa nou an tanke moun, sa, reflété, e sa li reflete tout nan Efesien 1 verset 3 an 14, an patikile nan verset 13 la, kote nou el pale de veb antande, e kwa, veb sa yo, se de veb ki importan. E nan lot tekse an kor nan mèm ouvray sa, ou ben nan mèm epit sa, si tout nan Efesien 2 verset 8, Efesien 3 verset 17, Efesien 4 verset 1 17, 1 à 6 et verset 20 Nouè, tout texte a souligné ou, ou bien présumé tout l'exercice du choix et la réponse de la foi en d'autres et eh en d'autres passages du Nouveau Testament par exemple dans 1 Timothée 2 verset 4 acte 17 verset 22 à 31 tout texte a montré bon Dieu a sauvé tout le monde mais ça va dépendre de vous même choix pour sauver ya. Se nan rou li, se ou kap di Eske m d'akor pou ma chansman Avèk bon dieu, fidèlman Ou bien m ap dezobèi, se da di, se pa bon dieu Ki chwa di yon goup de moun pou pèdi Yon goup de moun pou sove Men chwa sa, li depan de Chwa ki ou bem ou fè, pandan ou bem Ou sou tè, pandan ki wap Marchè, pandan ou gen souflan Se ou menm ki pou determine ki es wap suv Eske ou d'akor ma chansman avèk bon dieu Pou gen la vie tènel, ou bien ou deside Fè autreman mè, jan, E menm jen nouè Et Sir White l'exprimait, il dit, par le don ineffable de son fils, Dieu a entouré tout le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tout ceux qui constatent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Nous j'ai une parole ça dans le meilleur chemin, page 66. C'est-à-dire, même je nous réponds, Dieu, libère nous l'air pour nous respirer, libère tout le monde l'air pour respirer, libère tout le monde capacité. Eh bien, pour y'a capable de réfléchir, pour y'a raisonner. Bon Dieu fait la pluie tomber, ni sous le monde qui est bon, ni sous le monde qui est mauvais. Bon Dieu fait le soleil lever, sous le monde qui est bon, sous le monde qui est mauvais. C'est même une possibilité pour nous sauver, à l'ouvrir avec tout le monde. Bon Dieu n'a pas choisi un groupe de monde à l'avance pour perdre. N'il n'a pas choisi un groupe de monde à l'avance pour sauver. Mais, puisque bon Dieu, c'est bon Dieu, il connaît la fin. Même dans le commencement, il connaît tout le bagage, il connaît la possibilité pour te il existe, il fait plein pour pouvoir sauver tout le monde. Mais plein pour sauver tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui sauver si on n'est pas d'accord sauver. C'est-à-dire pour sauver, il faut que d'accord pour sauver, Et bien, pour sauver, ou manifester la foi en Jésus. Parce que ça, lui, on pas besoin de l'autre côté. Ça, lui, a, depuis après le péché, pour que l'homme capable de retrouver la vie éternelle, il faut qu'il soit capable d'accepter Jésus. Une réflexion que nous avons ensemble, que nous avons fait pour journée, hein? et nous parlons pour quel raisonnement ajouteriez-vous à ce donné si dessus pour soutenir l'idée que Dieu ne prédestine pas les hommes à la perdition ou au salut avant leur existence. Eh bien, quel autre raisonnement nous sommes capables d'ajouter ensemble avec e kestyon ki ke nou sot pose la, e repos ki nou sot bay yo. E ben mwen ki sa nou ta kapap ti, si bon die ta chwazi yon goup moun pou sove, pi yon goup moun ki perdi, nou ta ap di, bon, die son die ki enjus, si sa nou ta ap di, ok, nou ta kapap reflechi kon sa, nou ta kapap brezonen kon sa, men erozman, bon die son die ki enjus, se bon die kap jom chanje. Ok, bon die pa ki la, ka li omp de varyasyon, bon die rete menm, je se ta dire, posibilite pou nou sove a li eksiste avèk, Tout le monde, mais il faut que nous-mêmes nous, nous acceptions. Pas un seul moyen, c'est accepter la foi en Jésus-Christ. En fin de compte, et qui décide de la perdition d'une personne ou de son salut en Jésus? Bon, si ce n'est pas bon Dieu qui décide qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui a perdu, mais finalement, qui est-ce qui vous décider Eh bien, nous, nous pas réponse la réponse là. C'est vous-même qui vous décidez, c'est moi-même. Eh bien, comment on a gagné la vie éternelle là? C'est lorsque nous acceptons Jésus, manifestons foi dans Jésus, c'est l'unique moyen pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, nous la vie ou la mort éternelle, les du choix que nous faisons. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Nous une personne en pour verset 7. Mais comment verser ça? Comment verser ça? Révéler la réalité du salut par la foi seule et non par les œuvres de Dieu. La loi. Eh bien, pas un rien que nous sommes capables de faire pour nous capable capables de gagner la vie éternelle, mais plutôt nous sommes capables de développer une relation ensemble avec Jésus pour nous conserver sa ça que bon Dieu nous à travers Jésus Christ. Ok? Nous ne pouvons pas faire de nous pour nous sauver, pour nous dire, bon, je fais telle ou telle chose, je mérite salut, mais plutôt, il des actions que nous sommes capables de poser pour nous conserver salut, ça, sa, que bon Dieu lui-même à nous à travers Jésus Christ. Qui est-ce que nous sommes capables de faire pour nous conserver salut, ça? Sa? C'est accepter salut en Jésus et puis marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ce maintenant nous avons ensemble. belle étude, ça, numéro 2. Le grand plan divin Christo-Satek. Eh bien, nous, tout ça que bon Dieu lui-même a fait pour le bonheur de, de l'homme, il fait tout en Jésus. Et ça fait plan, c'est unifier le monde et bien, en Jésus-Christ. C'est-à-dire faire que tout le monde vive quoi dans Jésus d'une façon pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Réflexion avancée, c'est pour ça que nous avons ensemble, qui est la conclusion de maintenant et que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Et bien avant même que nous allions nous prions. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous capables de comprendre davantage les instructions. Sérieuses. Et comme ça, nous sommes capables de mettre en application et leur vie nous va traiter nous comme de bons et des fidèles de serviteurs. Nous pas juste, nous ne sommes pas des mérite, mais nous prions comme ça Jésus. Amen. Déjà Bible, c'est bonne étude, une bonne journée et que Dieu vous bénisse.